Bon matin, Église Astée. Euh, quel privilège encore de pouvoir ouvrir la journée aujourd'hui avec vous. Mm. Journée très spéciale parce que nous soulignons l'anniversaire de M. Prescott. Bonne fête, ouais, fête M. Prescott. Merci de nous écouter encore ce matin. Euh, on veut vous souhaiter souligner bonne fête. Alors, je vous encourage dans les commentaires de souligner l'anniversaire de Polo. Hein, la plupart dans pour, pour les intimes. Pour les intimes, on l'appelle Polo. Mais vous pouvez l'appeler M. Prescott. Moi, j'ai plus tendance à vous appeler M. Prescott. Alors, bonne fin, M. Prescott. Euh... La bascule 80 fois, c'est ça. <laughs> c'est pas le COVID, C'est la bascule. <laughs> Je ne sais pas dans quelle piscine. Je, Je sais vais sais pas l à l quelle piscine est, est encore ouverte pour faire la bascule. Oh euh, euh, oui, Vous entrer octogénaire. Hein? Euh, merci, Seigneur, pour toutes oh. ces années qu'il vous a données. Oui. Mais jeune de cœur, M. Prescott. Vous êtes jeune de cœur. Alors, on est content On vous aime beaucoup. oui. Moi, on mmh. vous aime énormément. Alors, bonne fête. Puis, soulignons son anniversaire de différentes façons aujourd'hui. Mmh. Alors, écrivez en Regardez, commentaire. On va applaudir, euh, OK? ouais, ouais, bonne fête. Mmh. Et euh, <laughs> puis, bien, merci de, au tout, à tout le monde, tous ceux qui sont là aussi avec nous euh, ce, ce matin. On veut vous souhaiter une bonne journée. Tous ceux qui se joignent à nous euh, au cours de la journée, euh, ben, bonne journée aussi. À ceux qui vont nous voir au cours de la semaine. Euh, merci d'être avec nous, de nous écouter. De prendre ce temps-là ce matin encore pour euh, ouvrir la parole de Dieu dans le psaume mm. 28. Mais juste avant, je veux souligner encore une fois euh, ce qu'on va faire à partir du 1er décembre. Mm. Je veux mm. pas, mon but, c'est pas de faire de la méga promotion, euh, bien que je, je suis très fier de la faire, la promotion, parce que c'est un excellent outil. mais En français, parce exact. que c'est se dire, là, des avant en français, je n'en connais pas. Il y en a, ben, il y en a. moi j'en ben, connais. Connais, que... connais, mais c'est sont rares. Mm. Puis être franc, sont pas aussi bons. <laughs> C'est sont... vraiment bon. Rachel ouais. a fait un super bon travail. Mais ouais. encore là, t'es pas obligé de te le procurer en papier physique. Nous, on va passer à travers. On va vous donner accès au matériel à ouais. l'intérieur, dans le sens où on va vous le dire d'avance. C'est quoi les textes à lire? Ouais. Fait que t'es pas obligé. Tu seras pas exclu, là. Non, non, exact. Fait que si tu, tu vas pouvoir continuer d'écouter les méditations quotidiennes, on va faire un pause des psaumes pour pouvoir entrer dans cette méditation-là. Mais, mais ça change pas grand-chose si tu l'as pas Papier, mais c'est si tu veux l'avoir et tu veux suivre avec nous d'une façon là, physique, mais c'est pour ça qu'on on veut le dire d'avance pour que tu puisses te le procurer euh, d'avance pour commencer en même temps que nous le 1er décembre. Alors, euh, encore une fois, euh, dans le commentaire, il va y avoir euh, le lien pour se le procurer. 12 c'est pas très dispendieux en plus, fait que, euh, Puis vraiment belle qualité, ouais. c'est vraiment cool. Encore une fois, là, je, je, je réussis énormément. Je peux te montrer l'intérieur, mais il y a vraiment plein de sections pour prendre des notes. Ouais. C'est ouais, sûr que si vous vous le procurez, vous allez. Euh... Ah, on voit. On voit. Okay, vous allez... Si vous vous le procurez, vous allez vraiment pouvoir euh, vous y investir, là, mmh. prendre des notes. Puis euh, il un... y a des petites choses que, quand même, moi, je... Rachel me l'avait euh, fait lire avant. Puis il y a même euh, les jeux, des recettes. Euh... <laughs> C'est cool, tu sais, Mais j'ai dit à Rachel, je pas essayé les jeux, je n'ai pas essayé mmh. les recettes. Parce que je veux le faire quand on va arriver là. <laughs> Mais j'avais tout passé à travers, j'ai trouvé très bon, en tout cas. C'est pour ça qu'on a pris la décision qu'au mois de décembre, on allait faire ça ensemble, s'accompagner ouais. euh, pour se préparer pour euh, euh, Noël, pour euh, le mois de décembre, mais particulièrement le 25 décembre, on va célébrer l'incarnation. Hmm. Euh, donc ce matin, euh, j'aimerais ça qu'on puisse, on va, on, va, on va passer à travers le Psaume 28 et, et j'aimerais ça le lire, puis vous allez voir, euh, je vais m'arrêter euh, au, au, au verset 6. Le verset 6, il y a vraiment un changement dans le ton du psaume. Mm. Puis c'est là qu'on voit, moi je trouve que c'est là qu'on trouve la, la clé de toute la compréhension du psaume. Euh, donc lisons-le ensemble. Euh, psaume 26, 28, pardon, le premier verset de David. Alors c'est le titre, c'est le psaume qui vient de David. Mm. David aurait écrit ce psaume-là. « Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. » Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leur prochain, ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté de leurs agissements. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains, paie-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel à l'œuvre de ses mains qu'il euh, qu les abatte et ne les relève pas. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez voir le ton change complètement à partir du verset 6. Mais juste pour cette première section-là, voyons encore une fois combien euh, David crie à Dieu face à toute l'adversité à laquelle il peut vivre. est ce que j'aime tellement de cette première section-là, c'est... À quel point est-ce qu'on peut connecter avec la, la Bible encore une fois? Mm. Ce qu'on vit présentement, c'est pas facile. Mm. Encore plein de nouvelles normes, règles qu'on vient d'apprendre qui changent toute la façon dont on va vivre le temps des fêtes, tout ça. Même ici, nous, plein de choses qu'on avait prévues, qu'il faut comme redéfinir, rediriger, mm. re-réfléchir encore. J'ai l'impression que depuis le mois de mars, on est toujours en train de, de virer à droite et à gauche euh, dans toute notre planification. Fait que ça peut être décourageant puis... Je, je sais pas combien de fois, parce que justement, je suis venu devant l'éternel et Seigneur, ça fonctionne pas, ça n'a pas de bon sens. Je, je, écoute, écoute, ça n'a pas d'allure, ça, ça me décourage, c'est difficile. Puis ça, c'est, la vie continue, hein. C est, c est, ça, c'est un point. Mais après ça, il y a plein d'autres choses difficiles. Des relations qui se brisent, des gens qui s'entendent pas, des, 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 des conflits, des malentendus, des, des fois, hein, ça, ça, vient lourd à un moment donné. Fait que ça, ça nous permet de connecter avec le psalmiste qui crie à l'éternel, « Seigneur, tu sais, viens à mon secours, puis enlève l'adversité, tu sais, enlève toute cette adversité-là, s'il te plaît, abat les ennemis, abat les ennemis. » Pour nous, l'ennemi n'est pas nécessairement toujours des gens, là, c'est pas, euh, pas nécessairement des personnes, qui, bien que pour certains d'entre nous, il y a des gens qui nous font vraiment mal, qui font ouais. vraiment du tort, mais pour, pour plusieurs aussi, c'est pas nécessairement... Personne, c'est un contexte, c'est une maladie, c'est des choses qui sont difficiles à la souffrance. Et regardez à partir du verset 6 comment le ton change. Verset 6 Béni soit l'Éternel car tu as entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est ma, la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois le leur berger et leur soutien pour toujours. Mm. On voit le ton change radicalement. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le ton change radicalement? Je relis le verset 6. Béni soit l'Éternel car il a entendu mes supplications. Mm. Ici, le psalmisme est tout simplement en train de dire C'est donc bon que tu m'entendes. Mm. C'est donc bon, toi, le roi des rois. Le Dieu créateur de toutes choses, souverain sur tout ce qui se passe, souverain même sur mes ennemis, parce que si tu ne voulais pas que j'aie ces ennemis là, je ne les aurais pas. L'adversité, tu la permets. C'est pas que tu la veux, mais tu la permets. Tu permets cette adversité là et pas une autre adversité parce que tu me connais, tu connais jusqu'à quel point je suis capable de supporter cette adversité là. Et je viens à toi et je crie à toi et tu m'entends. Hmm. Puis, peut-être, tu dis, ouais, mais c'est pas tellement <laughs> encourageant, là. T'sais. Moi, ce que je veux, c'est pas juste qu'il m'entende, c'est qu'il agisse. <laughs> mais mais c'est mm. qu'on perd de vue à qui on parle. Mm. On perd de vue qui nous entend. On perd de vue que Dieu nous aime. Mm. On perd de vue que Dieu est bon, que Dieu, il sait ce qu'il fait, que Dieu, justement, il est souverain. Et s'il nous apporte ce qu'on vit, ben, c'est parce qu'il y a un but derrière mm. tout ça. Il sait ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Il sait ce qu'il veut. Mettre en éclairage, mettre en lumière. Il sait, il sait ce qu'il veut travailler, il sait ce qu'il veut changer. Il, il est à l'œuvre, il ne fait mm. pas ça pour rien. Alors, on peut vraiment être satisfait, comme mm. le psalmiste le dit, d'être entendu mm. par le roi des rois. Et, et c'est ça qui change toute la perspective du psalmiste. Et c'est là que le psalmiste veut nous encourager aussi à changer notre propre perspective. Mm. Et là, en t'écoutant, moi, une question que je me pose oui. automatiquement, et bon, je ne bon sais bien. pas si c'est la question qui vous vient aussi, mais. Est-ce suffisant pour moi que Dieu m'entende? Hmm, bonne sais, question. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vraiment je, je veux plus que hmm. ça à chaque fois que juste d'être entendu? Hmm. Ça, c'est une première question là, moi, qui, qui vient dans, surgit coeur. dans mon cœur. Et, hmm. et je me demande si c'est la même question qui surgit dans ton cœur à toi hmm. aussi. Tu sais. ben, justement, pour, je te la pose cette question-là, oui. David, pour toi. Est-ce que hmm. c'est, d'une façon, mais, ou même j'ose dire présentement, est-ce que pour toi, tu es satisfait de juste savoir que Dieu t'entend? J'aimerais ça dire oui, oui, oui. <laughs> mais bon, on n'est pas ici ce matin pour prétendre que. Non. On va pas non, se mentir un matin. Là. On ne se mentira pas. Parce que si j'étais si c'était suffisant, mm. parce que moi, j'ai toujours des indicateurs. Hein? Mm. Puis moi, un de mes indicateurs, parce que bon, j'apprends à me connaître avec les années, mais, mais c'est que je prends les choses en contrôle. Tu sais? Et si c'était vraiment suffisant pour moi que Dieu m'entende je serais pas aussi prompt à vouloir prendre le contrôle de ma vie, à vouloir changer les circonstances. Mais quand je regarde comment les choses vont dans ma vie, même présentement, je regarde, c'est quoi mon, mon réflexe? Est-ce que mon réflexe, c'est de, de m'appuyer sur mon rocher? Parce que ça, je, on revient au verset 1. Hein? Mmh. L'éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. Mmh. Dieu, l'éternel est le rocher de David. et bien, ma tendance, c'est quand je crie à la roche, ah, la roche elle part pas fort. Mmh. Que... <laughs> bon, on va aller voir ailleurs. Hein? Mmh. c'est. Moi, c'est une autre question après ça qui est surgit pour moi à la lecture de ce texte-là. Mmh. Quand ce n'est pas suffisant, par quoi je me tourne? Ouais. Hein? Parce que là, ici, le... le psalmiste se tourne vers son rocher, vers l'Éternel. Et... et il est. Euh... Il bénit l'Éternel parce qu'il l'a entendu. Mmh. Mais moi, quand je vois que l'Éternel n'a rien fait, tu mmh. il n'a pas. Il a pas parlé en retour. Des fois, ça peut te faire de quoi? Des fois, c'est... Je veux qu'il me réponde, mmh. tu sais, hein? mmh. Et, euh, et là, si je, là, je me pose d'autres questions, c'est, OK, mais par quoi je me tourne? Donc, c'est pour ça, d'ici jusqu'à la fin, voici mmh. la question que je te poserai, hein? Je vais pas poser mmh. une question du jour, mais je la poserai maintenant. Mmh. Est-ce pour toi suffisant d'être entendu par Dieu? Mmh. Que tu sois entendu par Dieu, est-ce que pour toi, c'est satisfaisant? C'est mmh. suffisant pour toi? Ou est-ce que, tu sais, comme tu viens de le dire, mmh. David... Euh, comme David, puis je vais être franc avec vous, trop souvent, moi... Je vais être franc avec vous, c'est que moi, j'ai lu ça hier. <laughs> je me préparais hier pour aujourd'hui. Fait que euh, je me suis posé pas mal cette question-là, j'oserais dire, hier. Et mm. ce matin, c'est encore cette question-là qui était à mon esprit. Mm. Mais pour toi, là, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est mm. -ce est suffisant d'être entendu? Mm. Et euh, si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Là, moi, quand je réponds, mm. plus souvent que non, c'est c'est pas de l'enseignement que je fais, que non, il faut que Dieu fasse plus, là, non, non. non c'est... Moi, je crois qu'à la lumière des Écritures, de, de savoir que le Père nous entend mm. tout le temps, oui. tu sais, de savoir que, c'est toujours cette image-là que j'entends, tu on est des enfants, on est, on est maladroit mm. on, on, on fait des gaffes, on va toujours se mettre les mains où est-ce qu'il faut pas se les mettre, mm. puis on va voir le Papa, puis il mm. y a jamais comme cette fermeture-là, tu moi avec mes propres enfants, tu sais, je les adore là, mes enfants, là, mm -hmm. je les aime vraiment beaucoup, mais, mais on dirait que quand qu ils quand qu ils font des choses qu'ils devraient pas faire, ou oh, je me ferme un peu plus. Mm -hmm. J'ai comme plus le goût de fermer la relation pour dire Hey, t'as fait des affaires qu'il fallait pas. Arrange-toi toi, arrange toi, arrange un peu de mm. ça, puis là, c'est comme si j'entendais pas, tu sais, où mm. j'étais moins disposé à entendre mm. mes enfants. Mm. Mais le Dieu de la Bible, c'est pas un papa comme moi. Puis merci Seigneur mm. qu'il n'est pas comme moi. Mm. Alors, certainement que ce qu'il faut pas enseigner, c'est que oui, Dieu doit faire plus qu'entendre. Mm. Mais mais par contre, dans mon cœur, c'est pas la réalité que je suis satisfait tout le temps mm. ou que je trouve que c'est suffisant. Mm. C'est un mot intéressant, suffisant. Mm -hmm. Tu parce que la satisfaction, c'est une chose, mm -hmm. mais la suffisance, c'est une autre chose aussi. Mm -hmm, hein? mm -hmm. Parce que la satisfaction, c'est comme un, dans mon cœur de dire je, je me sens plein. Je, 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 je suis satisfait dans le sens où est-ce que je veux. Il euh, y a comme une connotation de. Euh, dire, Il y a comme un élément de joie, même. Mm -hmm. je, je retrouve une joie dans le fait que euh, je suis entendu. Mais la suffisance, je trouve que c'est un peu de l'autre côté. La suffisance, c'est que c'est assez. Dieu, là, si c'est ça qui accorde, c'est parce c'est assez. Mmh. Mmh. Moi, je suis satisfait, ça, c'est moi qui le reçois. Mais la suffisance que Dieu dise, ben, juste de t'avoir prêté l'oreille, c'est ça qui était mmh. assez pour mmh. la situation. Mais ben, je veux lui faire confiance que mmh. c'est assez, mmh. même si des fois, j'aimerais ça qu'il qu fasse autre chose. Mmh. Puis, puis, en tout cas, je parle beaucoup, là. Mais une autre chose, je pense, qui nous pointe vers la suffisance, c'est que Dieu voit pas juste la mini fenêtre dans laquelle on vit. Mmh. Là. Il voit l'ensemble de l'éternité. Mmh. Puis, Peut-être que dans cette fenêtre-là, d'être entendu, c'était la seule chose, mm. mais ça ne veut pas dire que c'est seulement mm. ce que Dieu fait, mm. en toutes circonstances aussi. Bien, il y a ça, puis euh, je pense qu'il y a un élément qui sous-tend toute notre réflexion à ouais. David. Pour ça, moi, j'ai une journée à avoir médité ça, fait que c'est peut-être un peu plus d'avance. Mais ce que je me suis mm. rendu compte aussi, c'est que oui, il y a un élément de briser en nous, mm. de ne pas juste comme être satisfait d'être entendu par Dieu, mais d'un autre côté aussi, l'élément qui est brisé, c'est vraiment parce que euh, on est séparé de la gloire de dieu qui fait que quand on crie on a vraiment l'impression de ne pas être entendu mm -hmm. et ça c'est bon parce que si on repasse le psaume mm -hmm. avec à la lumière à la lumière d'un autre angle on s'aperçoit que ce qui fait que le psalmiste est satisfait d'être entendu c'est qu'il est répondu Mmh. Il est répondu en espérance. En espérance de quoi En espérance d'un Messie. Mmh. En espérance parce que c'est ça le de point. Bon hein? <laughs> Donc, ben oui, parce que béni soit l'Éternel mmh. car qui a entendu mes supplications. Il, il est satisfait, pas juste là même d'être entendu, mais que, mmh. ben non, qu'est-ce hein, que l'Éternel est qu y a ma force et mon bouclier De quoi Vers quoi il pointe hein? C'est en lui que mon cœur se confie, je suis secouru. Donc, c'est pas juste qu'il est entendu. Il est véritablement secouru. Dans son cas, en espérance, mmh. il est secouru par qui? Ça mmh. nous pointe encore une fois vers la personne de Jésus. Mmh. Ça nous pointe vers, puis, s'il est satisfait que le Messie s'en vient, qu'il est annoncé qu'il s'en vient, pour mmh. nous, c'est qu'il est venu. Donc, à chaque fois qu'on est, on se tourne vers l'Éternel et qu'il nous entend, Comment on peut être certain qu'il nous entend C'est parce qu'en plus, il a déjà répondu à notre supplication, déjà répondu à la supplication du psalmiste en envoyant Jésus. Mm. Fait on est toujours répondu. Ouais. Donc, on, est toujours, on peut toujours même être satisfait d'être entendu parce qu'on est répondu aussi. Mm. C'est pas juste parce que, oh, on est entendu, puis la partie d'être répondu, ça c'était la partie brisée et pécheur. Non, c'est parce qu'au contraire, ça nous pointe vers celui qui a répondu, mm. vers Jésus. Fait encore une fois, c'est pour ça que c'est tellement bon de, mm. de regarder ce psaume-là à la lumière de, de, de l'évangile, à la lumière de vers quoi ça pointe. Mm. Parce que c'est là où notre satisfaction est pas juste d'être entendu, mais d'avoir été répondu dans notre plus mm. profond besoin qui est d'être sauvé parce que puis c'est la même chose pour nous aussi on vit en espérance mmh. euh, c'est qu'un jour on va véritablement être entendu et pas juste être entendu parce qu'on l'est déjà mais mmh. répondu. répondu il va répondre on va pouvoir lui parler mmh. on va pouvoir le voir pouvoir le serrer dans nos bras mmh. pas de masque deux mètres de distance, ouais, <laughs> direct dans ses bras, on va ouais. pouvoir écouter parce qu'il mm. va avoir écouté, entendu le psalmiste, ses supplications, mm. Puis mm. les adversaires du, du psalmiste, ben, il va vraiment les éradier, et nos adversaires aussi. La mort ne sera plus, puis on va entrer dans sa présence. Alors c'est bon aussi de ben pouvoir oui. se rappeler ça dans cet angle-là. C'est incroyable de réfléchir combien, quand Jésus à la croix a supplié le Père, <laughs> crié au Père, mais là c'est un moment. Oui. Dans la vie de Jésus, que le n'a pas répondu. Oui. Il a entendu. Oui. Mais il n'a pas répondu. Pas cette fois-là. Afin qu'il puisse toujours nous répondre. Amen. À travers son fils. Amen. Jésus. Amen. c'est bon. On a des fait commentaires. Oui, ouais, c'est ça vos commentaires. Bon, on commence avec, euh, on commence avec Linda. Elle a dit Oui, c'est grandement et précieusement suffisant car euh, de plus je sais qu'il faut beaucoup plus pour moi. Hmm. Hmm. Merci Linda. Louis, tu dis ça devrait l'être. Dieu n'a pas euh, à nous répondre sur le champ c'est notre impatience qui nous pousse à essayer une autre avenue, malheureusement mmh. c'est vrai hein? mmh. le, le, le temps de Dieu là euh, il fait les choses là tu sais et puis <laughs> tu sais ma tête le sait qu'il mmh. fait mais dans, dans mmh. mon cœur c'est comme hey c'est maintenant parce ouais, que c'est là que ça fait mal ouais. c'est là que c'est difficile puis euh... encore une fois comme j'ai dit c'est c'est normal parce qu'on n'a pas été créé pour souffrir on n'a pas été créé pour fait que c'est le fruit vraiment de la brisure mais ça nous pointe encore une fois vers ou encore quel, vers quoi on va se tourner pour se, se satisfaire Absolument. Vers qui on va se tourner Joannie, tu dis j'aimerais que ce soit suffisant. Je travaille sur le vrai repos de Dieu mm -hmm. dans ma vie. Amen, ouais. amen. Un lien avec uh, time-out notre série. Hein? Ouais. On va parler de ça justement encore euh, cette semaine avec euh, Joël. Mais, Joël quel est le lien entre être entendu et le repos Ah ben de, encore <laughs> une fois. Puis ça, on va en parler. J'oserais dire, on commence cette semaine, mais on va en parler surtout dans deux semaines. Euh, c'est que le vrai repos, il euh, faut le seul dire, là, le mm. vrai, vrai repos, encore une fois, ça, ce n'est pas ici. Mm. Euh, c'est tout le temps juste des petits avant-goûts d'un mm. vrai, véritable repos. Mm. Fait que même ici, euh, être entendu, c'est que Dieu nous donne, justement, le sabbat, nous donne ces moments d'arrêt-là, nous donne la, la liberté de ralentir pour pouvoir mm. euh, venir trouver en lui ce dont on a besoin présentement. Mais ça pointe ça juste vers... C'est jamais complètement satisfaisant. C'est tout le temps vers... Et hey, un jour, on va être avec lui, dans mmh. sa présence. Et là, Amen. ça va être le vrai, vrai repos. Là. Amen. Merci, Joanie. Euh, après ça, Julie, euh, oui, c'est suffisant pour moi, car mmh. quand Dieu m'entend, il me comble, peu importe sa réponse, et peu importe le temps qu'il répond. Juste le fait qu'il m'entend comble mon cœur de bonheur. Amen. Euh, gloire, à... gloire à Dieu pour ça, Julie. René, pour être en relation, ça prend plus que d'être écouté. Okay. qu'est-ce que tu répondrais à ça euh, Ben, euh, mm. c'est vrai. Comme je disais tantôt, c'est vrai. Euh, ça, ça va dans les deux sens. Hein. une relation, c'est un oui. dialogue. Donc, oui. euh, ce serait, euh, ce serait faux de dire euh, que ce c'est pas vrai, là, que ça prend euh, oui plus que d'être écouté. Mais justement, premièrement, Dieu a déjà répondu à travers la personne de Christ. Mm. Et deuxièmement aussi, mais pour être en relation, il faut aussi accepter que l'autre soit libre, oui. de li libre de répondre quand c'est son temps oui. et libre de répondre à sa façon. Tu si on pas veut. être une très, très bonne relation si toutes les choses sont dans mes termes à moi. Exactement. Tu sais, ouais. être en relation, c'est d'accepter que je suis libre et que l'autre est libre aussi. Mmh. Puis dans la, dans, avec Dieu, c'est la même chose. Mmh. Il nous a créé à euh, son image. Fait que pour lui, c'est la même chose. À vrai dire, c'est la même chose pour lui entre le Père, le Fils, puis l'Esprit aussi. Mmh. Tu sais, chacun a une personnalité. Chacun peut dire un peu dans sa personnalité est libre de répondre à l'autre de sa façon puis c'est librement que le fils a accepté mmh. la demande du père de venir sur terre c'est tu sais, donc mmh. mais il a c'est dans cette relation-là aussi qui est venu à cause. Mm. Puis la même chose avec l'esprit, ben parce oui. l'esprit est en nous à cause que Jésus nous l'a envoyé mm. par le Fils a envoyé l'esprit pour qu'encore une fois on puisse être accompagné par Dieu lui-même qui nous habite. Donc mm. c'est dans cette relation de liberté là que eux vivent, mais c'est la même chose pour nous et c'est la même chose entre mm. nous et eux parce que on doit être libre et on doit laisser les, les, la, la liberté de répondre. Fait que c'est dans deux sens. Mais mm. c'est vrai que c'est pas juste un, un monologue. Mm. Merci René pour le commentaire, ouais. un dernier commentaire puis après ça on va se laisser ça devrait être suffisant, nous dit Diane quand je suis entièrement en Jésus euh, c'est suffisant, mais dans mon imperfection je dirais euh, que non je ne m'en contente pas mm. Bien, je m'identifie à ça Diane, ouais. je comprends mais je crois que ce matin c'est pas de ressortir avec une culpabilité, ouais. mais plutôt il y a un espoir là, comme tu dis, l'espoir du psalmiste est fort la circonstance n'a pas nécessairement changé là, et puis des fois ça peut être long avant que les circonstances changent ne pas placer notre espoir dans le fait que les circonstances vont changer, mmh. bien qu'elles vont changer un jour dans mmh. l'éternité, comme Amen. tu dis, dans le repos céleste, mais de, 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 de l'espoir de dire que Dieu est là, mmh. il l'entend, il n'est mmh. pas, mmh. pas loin, il n'est oui. pas absent, il n'est pas indifférent, non. il est présent, oui. il entend, et il y a déjà beaucoup de, de joie là, mais là, comme on amène l'aspect de « mais il a parfaitement répondu à Jésus en plus », puis il utilise ces circonstances-là pour nous attirer oui. à lui. Donc, euh, ah oui. c est, c est, si, si on se sent insatisfait de ce qu'on vit, si on mm. est découragé, si mm. on est fâché, mm. si on est triste, mm. bien encore une fois, encourageons-nous mm. à aller vers lui parce que mm. euh, il est la réponse mm. à notre plus grand besoin. Parce qu'on s'entend que quand les choses vont bien, c'est rare que je me mets à genoux puis je crie à Dieu. Hein? Non, exact. <laughs> je dis merci Seigneur, après ça, j'en profite. <laughs> mais mais, mais c'est quand ça va mal que là, je suis à genoux puis je crie. Là. Exact. Fait que, exact. Ouais. Fait que, il nous connaît euh, bien. Exact. Fait qu'utilisons même ce contexte-là de ouais. pandémie pour écouter Dieu. Mm. Euh, ralentir à des endroits, changer s'il y a des choses qui ont besoin de changer, mm. euh, vivre en relation d'une façon différente les uns avec les autres, avec euh, ce qu'on est en train de vivre pour s'encourager à se tourner vers lui parce que Dieu, encore une fois, permet toutes mm. ces choses-là, pas pour rien. Quelque, il y a quelque chose qui travaille dans nos vies, dans notre société, dans notre monde présentement. C'est mm. pas juste euh, le Québec ou le Canada qui vit ça, c'est mondial. Alors, mm. essayons d'écouter ce qu'il essaie de nous dire, puis euh, laissons-nous guider euh, par la foi, avec assurance, dans la joie. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Fait que, on termine par la prière, puis après ça, on se laisse pour euh, la fin de semaine et euh, prions ensemble justement que Dieu nous aide à pouvoir trouver satisfaction en Lui. Seigneur mmh. Jésus, on veut, euh, euh, on veut euh, pas te demander quelque chose ce matin, on veut juste te louer mmh. que tu nous entendes, que tu euh, nous écoutes, que tu es préoccupé par ce que l'on vit, que que même tu fais pas juste nous écouter. Mais tu souffres avec nous. Mm. Euh, tu te mets d'accord que on n'a pas été créé pour ce monde si brisé. Tu te mets d'accord qu'on n'a pas été créé pour souffrir. Tu te mets d'accord qu'on n'a pas été créé pour être malade et même mourir. C'était pas, pas ça. C'est pas ça ton intention. C'était pas ton intention. C'était pas ton désir. Mais Seigneur, tu l'as permis parce qu'encore une fois, euh, tu vas en retirer encore plus de gloire. Mm. Et Seigneur, on veut déjà commencer ce matin, commencer ou continuer ce matin à te rendre gloire malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les ennemis, les adversaires. Seigneur, parce que tu entends, tu écoutes, mm. tu es préoccupé par nous, tu nous aimes profondément. Merci pour ton amour, merci pour ton écoute. Et nous ce matin et toute la journée et au cours de la fin de semaine, à saisir, ralentir, s'arrêter et venir devant toi pour... Te dire combien on apprécie que tu nous écoutes. Mm. Et merci d'avoir répondu en Jésus. Merci d'avoir répondu à tout ce dont on a besoin dans l'envoi de ton fils, dans le sacrifice de ton fils, dans ce qui t était le plus précieux. Euh, tu nous l'as donné, tu nous l'as offert en sacrifice pour qu'on puisse toujours être avec toi, pour qu'on puisse t'appartenir à jamais. Mm. Merci Jésus, merci au Dieu pour tout ce que tu as fait. Et bénis cette journée, bénis cette fin de semaine pour ta plus grande gloire. C'est dans ton nom Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. 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 Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, si tu veux partager, liker, faire des commentaires, euh, dire comment tu as apprécié oui. ou souhaiter bonne fête à M. Prescott, c'est encore le moment de le <laughs> faire. N'hésite pas à le faire pour que plus il y a d'activités, plus la, la page, plus les, les, les vidéos peuvent être partagées bien plus euh, l'évangile l'est aussi en même temps, et plus on peut encore une fois avoir de l'impact dans notre monde. C'est la façon dont Dieu nous donne l'occasion d'évangéliser, de, de partager l'Évangile, de partager la bonne nouvelle. Alors, hésitons pas à le faire. Mm. Et encore une fois, merci pour votre. Euh, on parlait de ça David, là, votre fidélité. Oui. Hein? Euh, plusieurs d'entre vous être fidèles matin après matin, nous écouter soit en direct, soit par la suite dans la journée. Ça, on va être très, très reconnaissant pour ça. Merci qu'on. On ferme une belle, une belle, une bonne équipe et c'est très, très encourageant. Ça nous encourage, nous, à continuer et à persévérer dans, dans ce qu'on fait présentement. Alors, je vous souhaite une très belle journée, que le Seigneur vous bénisse. Et on se revoit dimanche pour poursuivre la série Time Out. Bye tout le monde. À bientôt. Bye bye.